Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule et nous allons parler des signes du zodiaque et les archanges. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange et cette capsule est pour le signe du bélier. Mais petit rappel, le pouvoir des archanges. Les archanges sont des anges supérieurs, placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses, ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, eh bien, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leurs noms dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole de leur caractère divin. Leur nombre, eh bien, varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils appartiennent. Nombreux sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra. Il n'y a pas de fatalité, n'est-ce pas? Mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés, quel chemin emprunter et quel but poursuivre. Le signe du bélier est représenté par l'archange Uriel, le lion ou la lionne de Dieu. L'archange Uriel est donc associé au signe du bélier. On le définit aussi comme l'ange de la nature, directement lié à la guérison. Ainsi, son rôle est de nous aider à nous reconnecter à la nature sous toutes ses formes, physique et métaphysique. C'est un archange très puissant, un mentor. Il peut vous aider dans des situations délicates. Pourquoi prier l'archange Uriel? Invoquez-le si vous aspirez à travailler dans les métiers de l'écologie ou de l'environnement. Invoquez-le aussi si vous souhaitez vous ouvrir à la nature et appréhender ses secrets. Ce bel archange Uriel est le quatrième archange. Il doit son surnom d'éclaireur à l'étymologie de son nom. En hébreu, Uriel signifie littéralement « lumière de Dieu ». C'est un grand sage qui dispose d'une profonde connaissance dont il se sert pour aider les hommes. Il pousse ces derniers à prendre des décisions éclairées en leur faisant bénéficier de son grand savoir. Ce bel archange Uriel a également pour rôle de rendre la compréhension spirituelle accessible aux hommes. Il est encyclopédie, c'est une encyclopédie à lui tout seul. Et il nous aide à comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation pour mieux la résoudre. La compréhension qu'il nous transmet nous permet de nous détacher des sentiments négatifs qui sont un frein à la pensée. Son énergie est douce, légère et moins puissante que celle d'autres archanges, mais cela n'en fait pas moins un puissant allié qui saura vous guider et vous protéger. Quand et comment invoquer l'archange Uriel ? Ce bel archange Uriel est sans aucun doute l'archange à invoquer pendant une période de doute et d'incertitude. Adressez-lui vos interrogations et il saura vous apporter une perspective différente, éclairée, grâce à la compréhension qu'il vous aura transmise. Vous aurez un autre regard sur la situation et parviendrez à la résoudre. Il peut également vous aider à régler un conflit qui dure depuis longtemps. Ce bel archange est aussi l'interlocuteur idéal lorsque l'on souhaite développer sa créativité. Si vous êtes à court d'imagination, il saura vous apporter de nouvelles idées brillantes. Pour l'invoquer, visualisez un jaune irradiant. Vous l'aurez deviné, la couleur de la lumière est forcément celle de l'archange Uriel. N'hésitez pas à laisser entrer la lumière naturelle dans la pièce où vous vous trouvez. Elle appellera l'archange Uriel. Si vous avez du mal à vider votre esprit pour pouvoir communiquer avec les anges, dotez-vous d'une pierre d'ambre. Ce minéral est connu pour calmer et détendre. Apaiser votre esprit pourra accéder à la lumière d'Uriel et bénéficier de sa lucidité en apportant les réponses à toutes vos questions. Prière à l'archange Uriel. Uriel, communique-moi la chaleur de ta couronne de feu. Fais disparaître mes blocages émotionnels, mentaux et spirituels. Viens à mon secours, je te prie, et apprends-moi à agir avec courage, inventivité et force. Aide-moi à suivre ma destinée, à être en harmonie et à rayonner sur mon chemin de vie. car je souhaite la paix intérieure en chacun de nous. Et je t'en remercie d'intercéder pour que cette grâce s'accomplisse. Merci avec toute ma gratitude. Faites une prière pour le remercier, ça lui fera beaucoup de plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve pour une prochaine capsule. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À tout bientôt.